Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Vidéo un petit peu tardive, du coup, article un peu tardif. Il est 18h20, je pars à peine à l'entraînement et du coup, ben ça décale tout. Ceci est une Apple TV 4. Clac, ceci est une Apple TV 4. Pourquoi l'Apple TV 4 n'est pas 4K? Déjà parce qu'elle a un port HDMI 1.4, si je dis pas de conneries, et que pour faire passer de la 4K en 60 images secondes, c'est un peu tendu du bulbe. Ensuite, le processeur qu'elle a dedans n'est pas un processeur compatible 4K, ça saccaderait quand même grave. 4K 30 images secondes, peut-être 4K 60, pas top moumoute. Du coup, la problématique qu'on a également, c'est le paradoxe des contenus, c'est-à-dire qu'actuellement, seul Netflix va vous proposer de la 4K régulièrement. L'iTunes Store n'est pas compatible 4K, à moins que, hop, en claquant des doigts, Apple ait déjà des masters en 4K et puisse les proposer directement au téléchargement, à la location, à l'achat. On a Netflix qui fait du contenu en 4K, en streaming, etc. Mais pour lire du contenu Netflix en 4K, en streaming, il faut avoir une connexion stable d'au moins 25 mégabits seconde. Contre-jour magnifique, je suis désolé. Il faut avoir une connexion stable d'au moins 25 mégabits seconde. C'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut avoir, être dans les 20% des personnes qui ont une télé 4K et en 2016, et avoir en plus une connexion internet supérieure à 25 mégabits seconde. On voit que c'est très marginal. Au-delà de tout ça, on a la limitation du H265. Actuellement, les vidéos que vous regardez, etc., elles sont en H264. C'est un format de compression, pour faire très très simple, un petit peu comme le MP3 pour l'audio. Vraiment très simple. Le H264 a été poussé par Apple il y a 10 ans, peut-être même un peu plus. Et là, le H265, lui, est prévu pour la 4K, c'est-à-dire que à qualité équivalente, votre vidéo va être moitié moins lourde. Et ça, c'est génial, c'est parfait pour la 4K, puisque ça veut dire que on aura des fichiers 4K qui seront sensiblement aussi lourds que les fichiers équivalents en 1080p. Trop bien. Donc, il faut qu'Apple adopte le H265, mais Apple ne l'a pas encore fait. Il faut qu'Apple adopte le H265, il faut que tout le monde ait des connexions, il faut que les Apple TV, elles, soient compatibles avec un processeur plus gros, etc. Ça coûte donc un petit peu plus cher. Quitte à mettre de la 4K dans les foyers, autant mettre de la 4K HDR. Pourquoi du HDR, me direz-vous? Parce que entre 1080p et 4K, tout le monde ne sait pas voir la différence. Ça peut paraître très con, hein, mais il suffit que vous ayez une télé écrite 4K. Si c'est pas du 4K milieu de gamme, haut de gamme, avec une 1080p haut de gamme, vous verrez pas la différence. Parce que ça sera dégueulasse, il suffit que le processeur d'image soit pas bon, etc. C'est pas cool. 4K HDR, pourquoi? Parce que quand on fait des tests et qu'on montre à des gens des vidéos en 1080p, 1080p HDR, 4K, 4K HDR, systématiquement, dans 100% du temps, les gens vont classer 4K HDR, 1080p HDR, 4K, 1080p. Tout le temps, systématiquement, l'HDR est au-dessus du 4, est au-dessus d'une résolution, d'une qualité normale. Rien à voir avec la résolution, évidemment, d'une colorimétrie, si on veut, normale. Le 4K, la HDR est toujours au-dessus. Donc, quitte à mettre de la 4K, il faut que cette 4K soit également HDR, sinon c'est gâché. Donc, il faut qu'Apple puisse proposer... Je vais tout droit. Il faut qu'Apple puisse proposer de la 4K, puisse proposer de la 4K HDR. Sinon, c'est pas top en termes de calcul. Et c'est là qu'on se limite. Donc, il faut du H265, vous l'avez compris. Il faut que tout le monde ait une bonne connexion. Le parc de télé 4K, c'est pas demain la veille, Simon, qui sera compatible, qui sera, que tout le monde sera en 4K. Au moins la moitié sera 4K. On en est vraiment loin. Et il faut donc du H265, que le parc de télé soit 4K. Et c'est pour ça qu'Apple n'a pas encore fait une Apple TV 4K qui soit une Apple TV 4 pardon qui soit 4K, parce que ça aurait servi à pas grand chose. Il y avait même pas 10% des gens qui avaient des écrans 4K, et encore moins de gens qui avaient la possibilité de lire de la 4K, parce que pour la connexion internet, etc. Le truc qui est important et qu'il faut garder en tête, c'est que l'Apple TV n'est pas prévu dans le sens d'Apple pour vous lire vos vidéos stockées sur votre NAS avec Infuse ou avec Plex. L'Apple TV est prévu pour Apple pour louer du contenu ou acheter du contenu sur l'iTunes Store. Donc tant qu'il n'y a pas de contenu, ou tant qu'ils n'ont pas de contenu à louer ou à vendre sur l'iTunes Store, eh bien ça reste de suite beaucoup plus compliqué de justifier de passer sur de la 4K pour ensuite dire eh bien ok, on sait lire de la 4K, mais on n'a aucun contenu à vous proposer dessus. Et ça, je suis à peu près certain qu'Apple ne veut surtout pas le faire. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous n'avez des Apple TV qui lisent que de la 1080p. Mais je suis persuadé et je crois très fort qu'en 2017, on aura une Apple TV 5 compatible 4K HDR. Ça serait vraiment top de la bombe, vraiment. Et pour le coup, là, ça justifierait de mettre un port gigabit, etc. Un truc un peu qui poutre, parce qu'il faudrait quand même passer du débit. Encore que si Apple adopte le H265, le Fast Ethernet suffirait, je vous dis n'importe quoi, puisque
30-40 mégabits seconde de débit suffirait très largement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.